Nos étapes de production, elles sont en trois phases principalement. On a une première phase où on va découper de la matière, des inox, des aciers, et on va les mettre en forme. Un fer à souder classique, le gars il va chauffer, vous voyez, il chauffe jusque là. Ensuite, les pièces, nous allons leur faire un traitement de surface qui peut être de la peinture ou de l'émaillage. Attention aux têtes. Donc, regardez bien comment je fais et vous venez, vous restez deux secondes, hop, et vous repartez. Voilà. Tiens. Oui, je suis rentrée dans le four. Là, ça m'a énormément marqué. Oui, c'est rouge, très chaud. Oui, on a tendance à vouloir s'appuyer en rentrant dedans. Le four est très impressionnant. Et puis, le troisième process que nous avons, c'est l'assemblage. On assemble entre elles les pièces pour faire des produits finis qui sont contrôlés et bien sûr expédiés ensuite chez nos clients. Ce qui me marque, c'est en fait cette production entièrement made in France dans une entreprise qui a un historique important. Ce qui m'a marqué aujourd'hui, c'est le professionnalisme de l'entreprise. Hein. On voit que ce sont des gens qui sont motivés dans leur travail. On a une part de valeur ajoutée produite en France qui est extrêmement importante. Et en plus que maintenant nous exportons, donc je dirais que c'est très satisfaisant de ce point de vue-là.